Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition des Barniques Bioniques. Ce soir, je vais vous présenter un homme qui vraiment me fascine. Il parle de l'entrepreneuriat avec une considération pour les relations humaines. C'est fascinant de découvrir ce qu'il propose comme manière de rencontrer les gens puis de donner envie aux gens de travailler avec soi en étant réellement nous-mêmes. En tout cas, c'est une des facettes que j'ai pu découvrir dans son livre. Aujourd'hui, il va nous en parler et nous aurons aussi l'opportunité de pouvoir jaser avec vous. Si vous avez des commentaires, des questions sur ce que vous entendez, ben vous pouvez participer à cette émission. Alors, on commence ça tout de suite, d'abord avec cette petite capsule dynamisante. Choisir sa paire de barniques bioniques, ça nous permet de transformer une épreuve en chef-d'œuvre. Bienvenue à l'émission Les Barniques Bioniques. Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour, comment ça va, Sophie? Ben, ça va bien, je suis vraiment très honorée de te recevoir ce soir. Ben c'est moi qui est très honoré d'être présent au Barnic Bionique. Je trouve ça vraiment excitant. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait grandement plaisir parce que je trouve que tu amènes une vision assez différente de ce qu'on entend souvent, en tout cas comme entrepreneur. Je te dirais, pour être poli, là, des recettes toutes faites, là. Puis en lisant ton livre, moi, j'ai vraiment observé que ça se passait autrement. Ça me semble bien plus plaisant. Donc, si tu me permets, j'aimerais nommer aux gens qui sont à l'écoute que s'ils partagent l'émission pour nous aider à sensibiliser et aussi pour contribuer au succès de ton livre, hein, parce que on se le cachera pas, on est chanceux, on a des gens de talent ici au Québec et je pense que tu es proche, hein, du best-seller. On est très, très proche. Je ne sais pas exactement combien, mais on est probablement arrondissons à une centaine d'exemplaires d'avoir le titre de best-seller au Québec. Hey, quand Donc, je même. travaille encore très fort. Ben, pour ceux qui partagent ce soir, il y a un livre qui vous sera, vous serez éligible en tout cas pour pouvoir gagner un livre. Et donc, tout de suite, je salue Carmen qui est là, Julie. Les salutations sont pour nous deux. Bonjour à vous deux, bonjour, bienvenue. Les gens vont tranquillement se brancher. Je pense qu'il y a déjà quelques personnes, c'est juste que c'est pas tout le monde qui écrit. Je vous propose de ne pas vous gêner. Vincent est un homme très humain. Vous allez être enchanté de le découvrir. C'est gentil. Vincent, est-ce que tu peux nous parler d'abord un petit peu de ton parcours quand tu étais plus jeune? Là, on aimerait ça savoir, c'est qui l'humain qu'il y a derrière l'entrepreneur qu'on a avec nous ce soir? L'humain derrière l'entrepreneur, l'humain et l'entrepreneur ont tous les deux, je dirais, un parcours atypique. Commençons par là. Commençons par l'humain en tant que tel. L'humain est le bébé d'une famille de 7 enfants. Mais chose particulière, les 6 avant moi sont tous des enfants naturels et biologiques. Et moi, je suis arrivé comme le petit dernier 10 ans après le plus jeune et je suis adopté. Et Alors, est-ce je l'ai su, oui, je l'ai su très tôt. Je l'ai su environ à 5 ans que j'étais adopté. Et par concours de circonstances, j'étais assis sur la table à cuisine. Mes frères et sœurs étaient autour de moi. Et semblerait-il, honnêtement, je m'en souviens pas, c'est ce qu'on m'a raconté. Semblerait-il que je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, moi, je ne fais pas partie de cette famille-là. Puis là, tout le monde a resté surpris. Et j'ai dit, non, tout le monde a les yeux bleus, puis moi, j'ai les yeux bruns. Alors, ça a été ma première. savais? Oh my God, c'est touchant quand même, hein? Ça veut dire l'instinct de l'enfant, c'est fort, hein? Et voilà, ben, possiblement, je ne sais pas. Et donc, rapidement, j'ai su qu'à ce moment-là, quelques temps après, ma mère m'a expliqué effectivement que j'avais été adoptée, qui était un mot que je ne comprenais pas. Je pense que j'avais environ 5 ans. C'est tout juste avant la maternelle. Et voilà. Donc ça l'a un peu effectivement fait. Bon, tu sais, être le bébé d'une famille de 7 déjà en partant, c'est quelque chose. Deuxièmement, d'être adopté. Et troisièmement, d'avoir 10 ans de différence avec mon frère le plus jeune, 16 ans avec ma sœur la plus vieille.
Donc, ça a amené que j'ai été couvé, gâté à bien des égards, avec ses avantages et ses désavantages à ce niveau-là. Mais ça, c'est le parcours du petit bonhomme qui a eu, comme je dis toujours, j'ai ma première conférence, moi, je l'ai faite sur la table de la cuisine devant mes frères et mes sœurs à 5 ans. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis possiblement découvert un léger talent de communicateur. Et par la suite, ben, c'est comme ça que le reste est devenu soir. Je t'entends, puis j'ai envie de te faire le reflet que quand tu nommes tes frères et tes sœurs, il y a réellement un lien d'appartenance qu'on peut entendre. Donc, tu es en train de nous dire qu'on peut avoir un sentiment d'appartenance à un groupe autrement que par un lien de sang, finalement. Totalement. Pour moi, et sans nécessairement déverser toute mon histoire, je dis toujours que je suis adoptée, mais en fait, j'ai été confiée à ma naissance à la famille Fournier et officiellement, disons que le principe des familles d'accueil aujourd'hui, si on pourrait peut-être dire, et j'ai volontairement changé mon nom, moi, à 18 ans. Donc, quand j'ai changé mon nom, mes frères et sœurs m'ont tous dit, mais pourquoi tu changes ton nom pour Fournier, absolument? Ben, juste pour moi, c'est ma façon de sceller cette fratrie-là, de faire partie de la famille. Et tous m'ont dit, ben, c'était pas nécessaire, tu étais déjà notre frère. Ah! Oh! Donc, pour moi, c'est sûr que le lien de sang n'a pas beaucoup d'importance dans tout ça. Et oui, j'ai un attachement profond à mes frères et à mes sœurs. Malheureusement, mes parents ne sont plus ici, mais je suis convaincue qu'ils sont très fiers de m'entendre d'en haut. Wow! Mais je trouve ça important qu'on le nomme parce qu'il peut y en avoir dans nos auditeurs. Ouais. Et aussi des entrepreneurs qui sont à l'écoute, qui parfois se sentent seuls, puis ont l'impression d'être délaissés de leur famille. Puis quand on fait partie d'un réseau, puis qu'on s'entoure bien, bien, ce sentiment d'appartenance à un groupe, même si ce n'est pas des gens du même sang, bien, on peut s'offrir cette espèce de famille, sentiment là. D'entraide, puis de famille. Oui, oui, puis moi, je l'ai dit toujours, tu sais, j'ai ma famille, évidemment, ma famille adoptive qui est ma famille proche, mais j'ai d'autres familles, tu sais, j'ai une famille professionnelle, j'ai des amis, mon meilleur ami d'enfance, on était à la maternelle ensemble, on est encore comme ça. Donc, pour moi, il y a un autre concept de famille élargie à ce niveau-là. Donc, oui, je ne dénigre absolument pas les liens de sang, comprenez-moi bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce volet familial-là peut se créer autrement et effectivement, les réseaux, les relations créent souvent des attaches ou des relations très, très solides. Bien, c'est plaisant d'en parler. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'élargir les horizons. Puis les Barniques Bioniques, ben ça sert notamment à ça. Exactement. Si je me permets, je vais aller saluer les gens qui se sont rejointes à nous. Donc, bonsoir Jessica! Hey, c'est donc bien plaisant, il y a plein de beaux noms. Mireille Marie, bonsoir. Marie-Rose, Suzanne Doyle. Bonjour Suzanne! Il y a des noms que tu reconnais. Exactement. Donc là, j'ai présenté Kim David. Hey, ben c'est plaisant, on a un long message ici qu'on pourrait peut-être regarder ensemble, si tu me permets. Bien sûr! Moi, je suis bébé d'une famille de 4. J'ai 13 ans de moins que l'ancien bébé. J'aime ça, l'ancien bébé. Oui, c'est significatif. Hein? Mes frères et ma sœur avaient 13, 14 et 15 ans à ma naissance. Je peux très bien comprendre. Je suis toutefois un enfant biologique. Mais je comprends ce que tu dis, Julie. Effectivement, quand on arrive plus tard dans la famille, la relation frère et sœur est complètement différente. Avec l'âge, moi aujourd'hui, ben, il y a plus ce genre d'écart-là. Mais à l'époque, il y a un écart particulier qui, tu sais, moi, j'ai toujours dit, là, j'ai eu 4 pères, 4 mères, tu sais. Fait que dans un sens, si je ne me trompe pas, ça t'a permis aussi d'explorer différentes personnalités. Ah, assurément. Assurément. Parce que c'est un concept que tu nommes puis que tu développes dans ton livre. Alors, moi, je me suis dit, ah, tiens, le fait qu'il a été bien entouré de frères et de sœurs en grand nombre, on va le dire comme ça. Probablement que ça t'a permis d'explorer différents types d'êtres humains, de différents types de personnalités. Oui, et rapidement, je me suis rendu compte qu'on devait adapter notre langage et nous-mêmes adapter nos interventions et nos communications en fonction
de à qui on parle. Et c'est effectivement le même principe au niveau de la clientèle. Je le répète très régulièrement, on peut pas parler à tout le monde de la même façon et sans aucun jugement, là, sans aucun jugement, mais on ne va pas aborder tous les clients de la même façon parce que chacun est unique. Donc, c'est un point important. Donc, oui, le lien est effectivement très présent entre grandir dans une famille multiple avec qui s'adapter à chacun d'entre eux et par la suite, au niveau de l'entrepreneuriat, faire le lien avec nos différents clients ou nos différents types de clients parce qu'évidemment, il peut y avoir certaines associations. Ça a une importance dans notre façon de diriger notre business et surtout de communiquer avec eux pour en tenir des bonnes relations. Encore dans ce même aspect-là qui, moi, a retenu mon attention, tu définis hein, la personnalité en trois parties, puis je te laisserai nous en donner un avant-goût, en tout cas. j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon, en coaching, puis dans le développement personnel que je fais depuis, mettons, deux décennies, on va dire ça comme ça fait plus joli. On parle souvent de la personnalité comme étant l'ego. Toi, t'en parles, puis Caroline, me semble que ça me réconcilie avec la personnalité. Pour moi, la personnalité, là, c'est notre ADN et c'est un kit de base avec lequel on vient au monde. Mais chacun de nous, dans ce kit de base-là, on a tous des outils qui nous sont propres, que moi, j'appelle avoir une personnalité. Parce que sinon, si on avait juste tout le monde le même kit de base, on serait tout simplement des robots. Mais dans notre personnalité, ce que moi j'appelle notre image, parce que veut, veut pas, quand on parle d'affaires, qu'on soit un travailleur autonome, un professionnel ou un entrepreneur, ben c'est nous qui se mettons à l'avant-plan et c'est notre personnalité qui rayonne pour développer des relations. Les gens s'attachent pas à un produit ou à un service. Oui, ils peuvent le trouver bien beau, bien fin, bien, tu sais, oui, mais ils vont davantage s'attacher à l'individu, c'est-à-dire à sa personnalité. Et c'est là où moi je dis, ben travaillons à partir de notre personnalité. C'est-à-dire quels sont nos outils propres, nos forces, ce que j'appelle toujours, d'être conscient de nos faiblesses, que je préfère nommer les vigilances, mais mettons à l'avant-plan nos forces, parce que c'est eux autres qui vont nous démarquer, c'est eux autres qui vont nous distinguer, et c'est eux autres qui vont apporter notre couleur, qui va venir attirer d'autres personnes pour créer des relations beaucoup plus solides. C'est intéressant, parce que de la manière que tu le nommes, c'est comme si l'image n'était plus superficielle, mais plutôt une beauté en soi. Donc, je trouve ça intéressant de redonner à l'image, je dirais, une définition moins péjorative que celle qu'on entend souvent. Bien, parce que, veut pas, l'être humain est un acte de perception. On va tous se faire une image du premier regard qu'on va avoir de quelqu'un. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissaient pas du tout et qui m'ont regardé et qui se sont tous tout de suite fait une impression de qui j'étais. C'est normal, on fait tous ça. Et ça, ben moi, c'est la deuxième image, parce que je dis toujours qu'on a trois images dans notre personnalité. Oui. La première, c'est vraiment notre personnalité, notre ADN. Mais à l'autre bout du spectre, il y a une deuxième image qui, elle, je l'appelle notre image publique. Et souvent, les gens vont dire, une image publique, ouais, je ne suis pas une vedette, moi, j'en ai pas d'image publique. Non. Détrompez-vous, on a tous une image publique. On est des êtres de relation, on est des êtres de société. Donc, on a tous une image publique. C'est nous dans le regard des autres. Et là, des fois, les gens me disent, oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est simple. Combien de fois vous avez entendu, vous avez vous-même dit ceci? Ah, c'est drôle, là, mais avant de te connaître, là, je t'imaginais tellement pas comme ça. Ben, c'est exactement ça. Quand on s'imagine quelqu'un, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'image qu'il nous projette, c'est-à-dire l'image publique qu'il nous projette, parce que l'image publique, c'est notre premier outil de communication. Veux, veux pas. Et cette image-là, ben, elle envoie un message qui est décodé par la personne à travers ses propres barnets bioniques. Oui, c'est bien dit ça. Mais Avant d'aller voir les commentaires des gens, j'ai aussi envie de te demander comment tu dis ceci, cette image publique-là de l'authenticité. Comment pouvoir être authentique tout en étant dans la section image publique? Deux choses. Premièrement, s'assurer à la base qu'entre les deux, il y a une image souhaitée. C'est-à-dire de s'assurer que l'image qu'on veut avoir est cohérente avec notre image personnel, notre personnalité et notre image publique. C'est-à-dire de pas essayer de mettre un masque, même si veut, veut pas,
il y a quand même une certaine forme de rôle qu'on peut jouer, mais c'est s'assurer de partir de la base, c'est-à-dire de partir de notre personnalité pour développer notre image publique. Puis la deuxième chose, c'est de se regarder. C'est de prendre conscience de soi, c'est de prendre du recul. Parce que la conscience de soi, c'est notre seul outil de développement et d'amélioration. Donc, je dis souvent ça, vous arrivez dans votre maison, vous avez un bureau, vous rencontrez des gens. Avez-vous pris le temps de vous asseoir dans la chaise de votre client pour voir qu'est-ce que lui perçoit de vous? J'aime ça. C'est simple, c'est extrêmement simple, mais on le fait pas. On est assis de notre côté du bureau sans regarder de l'autre côté. Il y a toutes sortes d'autres façons. Juste de prendre le temps de demander aux gens, selon toi, c'est quoi ma plus grande force? Ben, des fois, on fait des sauts de se faire dire des choses que nous-mêmes, on sous-estimait chez nous et que les autres le reconnaissent. Donc, c'est là qu'on vient équilibrer beaucoup plus notre personnalité, notre image souhaitée, notre image publique par oui. Le biais de notre image souhaitée qui est notre capacité à vouloir nous améliorer. Parce que je le dis souvent, hein, puis plus tu parles, plus je me dis « Ah, c'était vraiment un invité pour les Varniques Bioniques. » Il y a autant de perceptions qu'il y a de personnes. Oui. Donc, c'est intéressant ce que tu nommes, vraiment. Mais je répète très souvent, il n'y a personne qui regarde avec la même paire de lunettes d'en face. Excusez-moi l'expression très, très québécoise, mais c'est ça pareil. Il n'y a personne qui regarde avec la même paire de lunettes. Il n'y a personne qui peut savoir que le bleu que moi je vois est le même bleu que vous voyez. Mais exact. On sait tous les deux que c'est du bleu. Donc, à quelque part, il faut juste travailler à cette réalité-là. Et au niveau des affaires, c'est la même chose. Prenons conscience, on parle d'individus, mais faire des affaires, c'est d'avoir des relations. Puis d'avoir des relations, c'est de travailler d'humain à humain. J'aime ça, entendre ça, moi. on va aller voir les gens qui sont avec nous. Donc, j'ai nommé Kim, Suzanne. Nassima, bonsoir Nassima, je suis contente que tu sois là. Allô, on a plein de beaux mondes, Sandra, Diane, Julie. J'aimerais passer ici le... Ici, Julie dit, et c'est intéressant, nous avons tous des filtres de perception qui sont personnels. Et ça va directement... Et puis là, Julie, elle a fait mon atelier que j'ai donné sur la communication bienveillante. Et je parle souvent de cette paire de barniques-là, dans laquelle il y a des petits collants. Oui. Pour se rappeler que quand on regarde vers l'extérieur, il reste quand même qu'on a un filtre. Donc, tu aurais envie de rajouter quoi, toi, à ce commentaire-là qui vient justement influencer peut-être avec qui on va avoir envie de travailler ou pas? Assurément, mais faut juste comprendre que oui, on a tous des filtres de perception, mais que le client qui est en avant de nous a aussi un filtre de perception. Oui. Donc, le meilleur moyen... Je dirais pas de faire tomber les perceptions, parce que c'est impossible. Ils seront toujours là, les perceptions. Mais le meilleur moyen de favoriser cette connexion-là est que, parce que la perception amène beaucoup l'interprétation. Oui. Et ça, c'est dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la perception que l'on a, on est en mesure d'aller la valider. Donc, s'assurer que ce qu'on voit à travers nos lunettes, d'aller voir auprès du client s'il voit la même chose que nous. Donc, d'aller l'interroger, d'aller le connaître. C'est ce que je dis régulièrement en affaires. Notre rôle principal, c'est de mettre notre client au centre de notre entreprise et de bien le connaître. Et quand on le connaît bien, on est en mesure d'avoir le même langage que lui, d'avoir les mêmes communications que lui. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on est en mesure d'avoir des relations beaucoup plus solides et de créer un environnement d'affaires motivant et surtout performant autour de nous. Ça semble un peu mettre des lunettes roses en disant ça, mais ça se fait. Il faut prendre le temps de mettre notre client au cœur de notre business parce que de toute façon, si on ne met pas le client au cœur de notre business, ça veut dire si on n'a pas de client, ben on n'a pas de business. Donc, l'équation est assez rapide à faire. Elle est assez simple, tu sais. Et souvent, on va développer une business pour répondre à des besoins de clients, mais on devrait faire l'inverse, partir du client, de bien connaître quels sont ses besoins, quels sont ses enjeux, quels sont ses défis, quels sont ses problèmes, et bâtir une offre de service à partir de là. On va souvent partir à l'inverse, malheureusement, en se disant, mais moi, j'ai des beaux produits, j'ai des beaux services. Ben, malheureusement, c'est probablement la pire erreur à faire, c'est de tomber en amour avec nos produits ou nos services. Parce que quand on tombe en amour avec nos produits et nos services, on perd la perspective et la vision du client, c'est-à-dire de sa perception à lui. OK. Mais en même temps, dans ton livre, en tout cas, c'est ma perception, évidemment, tu nous invites quand même à regarder les différentes sphères de notre vie pour qu'on soit capable de se positionner. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si on veut
sais, je dis souvent la même chose. En affaires, on veut tous plus de succès, plus de réussite. Mais pour ce faire, je dis toujours qu'il faut apprendre à y mettre plus de cœur et plus de sens. Parce que c'est quand on y met plus de sens qu'on développe le sens des affaires. Donc, mais pour mettre du sens, pour mettre de la cohérence dans ce qu'on fait, on ne peut pas partir du voisin. On part de soi. Il faut apprendre à se connaître en premier lieu pour être en mesure de savoir, ben, c'est quoi ma couleur, c'est quoi mes forces, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est quoi mes vigilances, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins et quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances. Devenir un entrepreneur, c'est de mettre tout ça ensemble pour être capable de bâtir quelque chose de viable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se former, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des connaissances, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer certaines compétences, mais à la base, il faut partir de bien comprendre qui on est, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'on possède, pour ensuite voir qui on peut aider et comment on peut l'aider, et ensuite de déterminer qui est notre client. C'est un bon moyen aussi de se sentir plus heureux dans ce qu'on fait, parce qu'on est plus collé à notre réalité, là. Je prends tout le temps une image, puis je sais que tu m'as déjà entendu le dire, puis ben désolé pour ceux qui viennent juste de manger, c'est peut-être un petit peu désagréable, mais je l'ai dit pareil parce que je trouve que l'image est trop forte. C'est que quand on essaie de prendre le discours de quelqu'un d'autre, qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre, on essaie de parler le langage de quelqu'un d'autre, ben c'est comme si tout simplement votre dentiste décidait de vous mettre un dentier qui vous appartient pas dans la bouche. Je suis désolé de l'image, mais c'est le même principe. À un moment donné, on finit par parler de proche, puis à se rendre compte que oups, ça ne marche pas parce que ça ne fit pas. Ben, c'est la même chose en affaires. Si vous essayez de parler le langage de quelqu'un d'autre, ben, vous n'avez pas le bon dentier dans la bouche. Oui, ben, c'est simple, ça veut tout dire. Désolé pour l'image pour ceux qui viennent de manger, mais je voudrais accueillir hey, Gina qui est là. Bonsoir, Gina. Karine Cristal Lumière, je suis heureuse que tu sois là. Il y a ici François. Oui. Et en même temps, j'en profite pour le remercier pour tout ce qu'il fait au niveau de la technique, au niveau de l'informatique. Merci François. Merci François. Il nous nomme tellement. Moi, je débute avec des outils flexibles à la base, mais qui seront modélés en fonction du client et de ses besoins qui colleront à son entreprise. François, merci. J'adore ce que tu dis là. Moi, je dis toujours le rôle de tout professionnel de la vente, de tout travailleur autonome, de tout entrepreneur, c'est d'aider ses clients à atteindre ses objectifs. C'est quand on va aider notre client à atteindre ses objectifs que nous, par procuration, on va atteindre les nôtres. C'est complet quand même, hein? Il y a Karine qui nous dit... tellement juste, qui suis-je pour savoir ce que je manifeste? J'aime tellement les mots qu'elle emprunte en plus. Merci, Karine. Karine, c'est génial. J'ajouterai rien là-dessus. C'est déjà tout à fait complet. Et bon, c'est ça. Ensuite, il y a Karine qui nous dit merci aussi avec François. Julie Lessard nous dit valider l'information. Ça, c'est tellement une étape souvent que, en tout cas, pour avoir fait des trucs avec certains fournisseurs, je vais le dire comme ça, des fois, je me disais, ben comment t'as pu te rendre là alors que c'était pas ça que j'avais besoin? Ben je pensais que c'est ça que tu voulais. Ben c'est parce que c'est pas tout de penser, il faut valider. Faut valider, et c'est là que on connaît tous là, la théorie du processus de communication et destinataire. Bon, mais faut juste comprendre que entre le destinataire et le destinateur, il y a un paquet de points de friction, de bruit qui fait en sorte que on va pas percevoir la communication de la même façon, on va pas la comprendre de la même façon. Puis en bout de ligne, ben on termine une discussion et on part chacun de notre côté, puis on n'a pas nécessairement la même perception des choses. Et le meilleur exemple à faire, allez voir un film avec qui vous voulez, sortez de là une semaine après, demandez à quelqu'un de vous raconter le film et demandez à l'autre personne de vous raconter le film, vous n'aurez pas la même version pantoute du film. Ben, c'est exactement ça. Donc, allez valider l'information, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle régulièrement un feedback hein, ou une rétroaction. Moi, ce que je dis souvent, et je vous dirais, c'est encore plus important dans un mode de négociation. Et quand je parle de négociation, je parle pas juste de négociation monétaire. On négocie une idée, on négocie un projet, on négocie une direction, on négocie une façon de faire. C'est de co-créer à quelque part. Oui, c'est ça. Donc, moi, je dis,
j'ai développé une approche qui s'appelle la méthode de l'arbre au niveau de la négociation, qui est tout simplement un acronyme qui nous permet juste de repositionner les choses. C'est-à-dire, A, on va commencer par accueillir ce que la personne a dit. Deuxièmement, on va les reformuler pour s'assurer que nous, on a bien compris puis que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ensuite, B, on va aller bonifier la discussion, c'est-à-dire on va aller créer cet échange-là, cet échange de valeurs-là. Et une fois qu'on s'est entendu, le deuxième R, on va aller reformuler le tout pour s'assurer du E, d'avoir une entente gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, souvent, quand on passe à côté des deux premiers, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va répondre à une question rapidement, ce qui peut mettre l'autre personne dans un mode de défensive. Et quand on va pas reformuler à la fin, ben, on vient contaminer l'information ou tout simplement, pas nécessairement contaminer l'information, mais on peut laisser une information contaminée, non validée, qui fait en sorte qu'on passe à côté de la réalité. Tu parlais d'acronyme, puis je te voyais descendre comme ça, parce qu'effectivement, dans ton livre, que j'ai adoré, parce que je trouve que c'est accessible. C'est bien vulgarisé, je dirais, pour qu'on puisse avoir le goût d'appliquer ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs, là, j'ai l'air de me concentrer, le chien se manifeste. Il veut valider une information. Oui, c'est ça. Donc, si vous souhaitez être éligible pour gagner le livre que vous offre Vincent Fournier, vous partagez et de cette façon-là, ben, vous allez être éligible au tirage. C'est ça, donc, dans ce que tu as dans ton livre, il y a beaucoup de Jean-François qui s'en vient le chercher. Oh my God! Les joies du direct. Oui, exactement. Tu parles de se connaître soi. Mm-hmm. Tu parles de connaître le client, mais tu parles aussi de savoir segmenter. Est-ce que tu peux nous donner, c'est pas un mot qu'on entend nécessairement souvent, j'aimerais ça que tu le décrives un peu plus. Ben, je vais commencer par, je vais juste poursuivre ce que je disais tout à l'heure, à quel point mettre le client au centre de nos préoccupations comme entrepreneur, c'est fondamental. Mais souvent, la question que je vais poser aux gens, c'est qui est ta clientèle cible? Et la réponse, ça, c'est la question qui tue. Et la réponse qui me tue, que j'ai souvent, c'est ben moi, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Non, faites pas ça. Si vous me dites que vous n'avez pas de clientèle cible, vous me dites que vous n'avez pas de client. C'est ça que ça veut dire. Parce que d'essayer de parler à tout le monde, vous parlez à personne. Donc, ouais. Quand on parle de segmentation, on veut tout simplement. Il y a deux volets. Premièrement, il y a le volet de dire, prenons la clientèle existante pour l'instant, et cette clientèle-là, est-ce qu'elle a des territoires communs? Est-ce qu'elle a des caractéristiques communes? Est-ce qu'elle a des points qui sont semblables auxquels on pourrait réunir notre clientèle? Mais en on ne part pas de nulle part, dire. Non. T'sais, parce que moi, on m'a souvent nommé, tu sais, ton client idéal, là, c'est qui que tu aimerais vraiment servir, là? Mais tabarouette, on pourrait vouloir aider bien des gens. Fait que la manière que tu es en train de le dire là, je trouve que ça permet de partir avec une base puis de pas se sentir perdu dans tout ça. Tout dépendant dans quel domaine vous êtes, mais il y a plusieurs façons de segmenter. T'sais, exemple, on peut avoir une clientèle, je vais dire n'importe quoi, une clientèle de gens d'affaires. On peut avoir une clientèle géographique. On peut avoir une segmentation comportementale. Ces clients-là, ben, ils vont toujours transiger de cette façon-là. On peut avoir une segmentation sur leurs habitudes de consommation. Il y a moyen d'aller creuser. Donc, il faut juste prendre le temps de regarder notre clientèle et de dire, OK, est-ce que je peux faire des petits groupes homogènes? Il n'y a rien de parfait là-dedans. Là. Cherchez pas une perfection, il n'y en aura pas. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire, c'est juste essayer de créer des groupes homogènes. Et une fois que vous avez vos groupes homogènes, adaptez votre langage en fonction de ce client-là. Je le répète, vous pouvez pas parler à un gars de la construction de la même façon qu'à un prêtre d'une église. Je suis désolé, ça fonctionne pas. Et loin, encore une fois, loin de moi l'idée de mettre du jugement. Mais ouais, si parce que le prêtre, il pourrait faire des beaux meubles aussi, là. Assurément. Mais c'est juste de trouver l'angle sur lequel on doit faire. Donc, cette segmentation-là, c'est le premier travail qu'on peut faire si on a une clientèle. Puis, un autre moyen simple d'essayer de voir notre clientèle idéale, c'est juste de se poser la question, quel est mon top 5 ou mon top 10 clients, là?
que j'adore faire affaire avec eux. Ceux-là, que tout ce que je ferais, là, c'est que je ferais juste des clones avec eux. Et prenez-les, les 4, les 5, les 6, les 10, peu importe. Et prenez-les, regardez-les et sortez toutes les caractéristiques communes que vous pouvez voir dans ces clients-là. Et vous avez là déjà un premier profilage d'une clientèle cible. De là l'importance d'avoir l'humilité et l'ouverture de les questionner. De là d'avoir, la nécessité de les questionner. Parce que, encore une fois, si notre rôle est d'aider notre client à atteindre ses objectifs, si un, on ne connaît pas ses objectifs, comment on peut l'aider? Puis deuxièmement, il faut juste comprendre une chose, un objectif, c'est un besoin. Et souvent, on va dire aux gens, ben, pour vendre, il faut connaître le besoin du monde. Moi, je vous dis oui, mais non. Parce qu'un besoin, c'est rationnel. D'accord? J'ai besoin de, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai besoin d'une voiture, je veux une voiture électrique. Exemple, c'est mon besoin. Tu vas te retourner, tu vas commencer à me vendre les bénéfices d'une voiture électrique pour l'écologie, pour ci, puis pour ça, puis... En bout de ligne, moi, la raison pour laquelle je veux une voiture électrique, c'est pour l'économie d'essence, puis c'est un volet économique, ça n'a rien à voir avec l'écologie. À quoi ça sert de connaître le besoin du client, alors? OK. Il faut aller chercher la motivation profonde en arrière de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, émotivement, va venir connecter avec ton client? Le besoin irrationnel. 80% d'une transaction d'achat est émotionnelle. Oui. On peut-tu aller s'adresser là? C'est-à-dire, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, c'est quoi les préoccupations, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les ambitions, c'est quoi les aspirations de ton client? C'est là que sont les véritables motivations profondes qui vont nous permettre à ce moment-là d'aller travailler avec notre client pour être en mesure de lui apporter une solution. Parce qu'encore une fois, notre rôle, c'est d'apporter une solution à un problème d'un client. À l'ultime, on va tous consommer. Peu importe quel type de consommateur on est, à l'ultime, on consomme pour deux raisons fondamentales. On veut plus de plaisir, moins de douleur. C'est tout. Arrêtez-là. On veut tout ça dans la vie. Et tout ça va découler... Si les gens faisaient juste retenir ça ce soir, là, ça serait déjà une bonne façon d'amener des changements dans leur projet, dans leur façon peut-être de cibler avec qui ils travaillent. Avec qui ils travaillent et comment ils leur répondent. Parce comment ils s'adressent à eux, oui. Parce que, oubliez jamais, vos clients n'achètent pas vos produits et services. À la limite, je vous dirais même, ils s'en foutent royalement. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils achètent? C'est ce que vos produits ou services vont leur apporter. C'est-à-dire, plus de gains, moins de douleurs. Donc, poursuivez votre discussion pour aller connaître davantage votre client, d'où l'importance de mettre votre client au cœur de vos priorités. C'est ça que je disais quand je retenais là-dedans. Tu sais, quand tu prends un livre là, sur les affaires puis sur la vente, on dirait que tu t'attends à découvrir... tu parles de la baguette magique là-dedans qui n'existe pas. Là. C'est vraiment comme à la découverte de l'être humain. C'est tellement trippant. J'ai adoré ta façon d'amener ça. Non, sincèrement, je trouve que ça nous met en contact avec nous, en contact avec l'autre, puis que c'est l'esprit de relation qui est valorisé. Ouais, je le répète toujours, faire des affaires, c'est une affaire de relation. Ouais. Donc, à partir de là, si on n'est pas capable de créer des relations d'affaires, et là, il y en a peut-être là, déjà qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas bon en communication, je suis gêné, je suis un introverti, je suis pas capable. » Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes tous capables de développer des relations. Il suffit juste de prendre le bon chemin et de garder votre couleur à vous. C'est possible. D'accord? C'est possible pour tout le monde. C'est tellement motivant ce que tu dis, puis en même temps, ben, ça transmet de la confiance que c'est possible de garder sa couleur, son authenticité, puis de répondre à des besoins. Si tu me permets, là, je vais aller voir s'il n'y a pas des besoins qui sont manifestés dans les gens qui sont présents avec nous. Avec grand plaisir. Hey, allô Christine, je suis contente que tu sois là. Je vais aller voir ici. Suzanne. Je pense que tu connais Suzanne Doyle. Oui. Elle demande, oui. Vincent, est-ce que ton nouveau livre, c'est une nouvelle édition revue et augmentée ou un volume 2?
C'est une nouvelle édition revue et augmentée. Celle-là, c'est écrit dans le bas, un petit peu dans le bas, effectivement. Le bleu, là. Donc, depuis, parce que c'est la réédition, donc c'est une édition revue et augmentée de la première édition. Donc, si vous avez déjà le premier livre, ben, qui a le même titre, là, on s'entend, c'est juste que la couverture a changé. Ben, il y a, je vous dirais, quand même quelques concepts, là, on a peut-être une trentaine, quarantaine de pages de plus dans ce livre-là. OK. Il y en a un autre qui s'en vient. Ben, je m'en allais là, mais là, t'étais trop pressée, là. J'aimerais ça ici lire ce que Karine nomme. Tu risques de trouver ça encore très beau. On peut trouver le livre. Ah non, en fait, je vois, je suis venue pour appuyer sur quelque chose. Mais on va y répondre tout de suite, tiens. Est-ce qu'on peut trouver le livre en France? Karine, je crois qu'il y en a encore un tout petit peu. Sinon, actuellement, je suis en promotion. Je l'envoie gratuitement en Europe. Donc, si tu peux être intéressé, je pense qu'on avait mis le lien tout à l'heure là dans le bas. Merci François, Monsieur Télissino, qui venait de faire apparaître. Ça fait longtemps que Ça me rajeunit pas. Ça, ceux qui n'ont pas compris, c'est vraiment pas grave. Je n'expliquerai pas un petit peu plus là-dessus. Effectivement, si ça peut t'intéresser, Karine, tu peux le commander et je l'envoie sans frais de port en Europe avec grand plaisir Ah, actuellement. génial. Donc, Karine, je t'enverrai le lien directement sur ton Messenger. Ça va te faciliter l'accès à ce lien. C'est ça, dans le fond, ce qu'elle disait juste avant, puis j'espérais de réussir quand je bouge, puis il y en a d'autres qui écrivent, ça fait en sorte qu'ils se déplacent, fait que là, je ne pèse plus sur le bon. Elle dit, c'est comme dans le physique, aller à la racine. À fait. Tout à fait. Pour connecter, hein? Pour connecter, aller à la racine, aller à la source, aller comprendre pourquoi, qu'est-ce qui crée, tu sais, par exemple, si on a, je vais prendre un exemple qui me vient, si on a un malaise physique, ben c'est quoi la source de notre malaise? T'sais, si j'ai mal à la tête, c'est quoi la source? Ça vient d'où? Donc, d'aller voir un tout petit peu plus loin, d'aller poser, entre guillemets, un diagnostic. Mais pour poser un diagnostic, il faut aller poser des questions. Ben, c'est un peu la même chose avec notre client. C'est d'aller un tout petit peu plus loin pour poser des questions, pour rétablir un diagnostic, pour lui amener une solution. Très bon point, Karine. On voit que tu connais ton affaire, Vincent. Puis ça, moi, c'est vraiment quelque chose que il y a une confiance, une conviction. Le gars, là, on sent qu'il l'a cheminé la route, là. Oui, et en toute honnêteté et humilité, ça m'arrive encore de prendre des routes de gravel. Ça fait partie de Ben, merci l'entrepreneuriat. de le dire. C'est important, ça aussi, pour nous encourager puis nous dire que il y en a tout le temps du chemin à faire, là. Encore une fois, là, la baguette magique, là, elle n'existe pas. Si elle existait, on l'aurait tous, puis on serait probablement pas d'une pandémie actuellement. Et deuxièmement, on serait peut-être tous riches. Donc, partons de là, là, tu sais, mais ça arrive à un moment donné qu'on perd le fil. Ça arrive à tout le monde à un moment donné qu'on prend un virage, puis on est certain que c'est le bon virage. Puis à un moment donné, on se met à faire de la route de gravel, puis on fait, ah, tabarouette, c'était pas correct. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Prendre du recul? Pas se mettre à accélérer et vous dire, je vais en trouver la route, je vais en trouver la route. Non, non. Pesons sur le frein, là. Prenons du recul. Regardons ce qui se passe. Réévaluons. Revenons à nos bases. Puis après ça, on va repartir correctement. Mais ça nous arrive tous. Et si ça vous arrive pas, tant mieux. Mais à quelque part, je suis pas mal certain que c'est à peu près impossible. Il n'y a pas un entrepreneur qu'on pourrait prendre le temps de demander, de dire, toi, à partir du jour 1 jusqu'au jour aujourd'hui, là, ça a toujours bien été, ça a toujours été en croissance. Il n'y en a pas un. Et s'il y en a un qui vous dit ça, posez-vous de sérieuses questions. Parce que quelque part, nous aussi, nos besoins changent. Oui. Donc, notre environnement change, on vieillit, hein? Donc, il peut y avoir aussi des changements qui font en sorte que nos priorités vont changer. Alors, je pense que de se repositionner, de se reposer ces questions-là, c'est pas juste au début de la fondation de notre entreprise, là. Mais je vais aller même plus loin que ça. Moi, je vous dirais, si vous ne vous reposez pas ces questions-là une fois par année, vous passez devant plusieurs occasions d'augmenter votre business ou tout au moins d'ajuster le tir pour accélérer quelque chose. Selon moi,
une réévaluation de vos fondamentaux doit se faire une fois par année, faire un bilan, regarder en arrière, regarder d'où on vient pour voir où on veut aller, puis trouver une destination où on veut aller. Tu sais, je dis toujours la même chose. Si on part de la Gaspésie puis on veut s'en aller à Montréal, on va aller prendre la 20 puis on va y aller. Mais si on part de Québec puis on veut aller à Montréal puis qu'on décide de prendre la 20 direction Est puis qu'on s'en va en Gaspésie, ben ça va nous prendre un tabarouette de détour pour revenir à Montréal. Est-ce qu'on peut, à la base, prendre un certain moment pour évaluer le plan, regarder où on est, regarder où on va, puis quel est le meilleur chemin pour s'y rendre? Ça, c'est quelque chose que je nomme souvent avec les gens que j'accompagne dans l'écriture. Mm-hmm. Les gens ont peur de faire des plans, mais c'est parce qu'à quelque part, ça te donne tellement plus de liberté. Les gens ont l'impression que ça les encadre trop, mais dans un sens, quand tu le fais, ben, tu te rends compte que ça te rend plus libre. Parce que là, quand tu as une idée à placer, tu sais tout de suite, dans le fond, à quel endroit tu vas pouvoir la mettre en valeur. Et ça nous permet d'ajuster le rythme aussi. Oui. Prenons l'exemple, on part en voyage demain matin. Si on décide de partir en voyage demain matin, la première chose qu'on va faire dans notre tête, c'est quoi? On va aller déterminer la destination. C'est parce que si je décide de m'en aller, exemple, dans un pays du Sud, ou je décide de m'en aller en Alaska, ben, je ne mettrai pas la même chose dans ma valise. Donc, je n'ai pas le choix au préalable de faire un plan et ensuite de voir en fonction de où je vais, de faire un plan à rebours pour dire, ben là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si les 3, 4, 5 premiers jours, tu fais ce que tu as à faire puis il n'y a pas de problème, mais que tu as une liste ça de longue de ce que tu veux faire et qu'il reste 2, 3 jours puis là, tu te mets à la course, tu n'as pas le temps de rien faire, c'est rien d'agréable dans ce voyage-là. Donc, c'est à ça que ça sert un plan à encadrer, mais de nous laisser suffisamment d'espace pour saisir des occasions, pour saisir des opportunités qui peuvent nous permettre de découvrir de nouvelles choses, d'accélérer quelque chose, mais toujours sur le chemin vers lequel on veut se rendre. Oui. Souvent, j'aime parler de... Puis, je vais aller voir les messages qui rentrent après, mais j'aime parler de la définition d'un carré de sable. Mm-hmm. En tout cas, pour moi, c'est une image, là, qu'on est comme en sécurité, là. On sait quelles sont nos zones où on peut jouer, mais jouer dans... avec ce qui nous passionne. Puis... Mais en même temps, on reste dans notre carré de sable, puis ça nous permet d'avoir cette liberté-là, sachant que le contour est bien défini, puis que ça va pas bien défini. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bel avantage de se donner cette autorisation-là, de se structurer un peu, puis de gagner en liberté ensuite. Ben, moi, je pense que c'est une obligation pour être en mesure d'être performant en affaires. Et encore, je vous le répète, c'est pas une mesure de contrôle, c'est une mesure de direction qui nous permet. Oui. Ça veut pas dire qu'en cours de route, les délimitations de notre carré de sable peuvent pas changer. Là. Il peut s'agrandir. Il peut s'agrandir, il peut même changer de carré de sable. Ça peut arriver aussi, là. Mais à quelque part, si on s'en va sur le chemin et qu'il y a des opportunités, au moins, on a des balises qui vont nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées plutôt que juste des décisions qui sont soit intuitives ou soit rationnelles. L'important, c'est de mélanger les deux. C'est très bien dit. J'aimerais passer le message ici de Nassima. Allô, Nassima. Donc, ma bonne amie Nassima, merci d'être là. L'énergie de Vincent inspire un dynamisme apaisant. C'est donc bien beau. Ah, c'est magnifique, hein? Juste l'écouter rend heureux. Merci Vincent de parler de ces relations d'affaires authentiques. Je vais certainement commander ton livre. Hey, tu vois? Magnifique. Merci Nassima, ça me touche beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Rien à dire. Puis Nassima, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience, une femme qui a été sur le terrain, toi, le plancher de la bourse avec les hommes. C'est, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mon amie Nassima. Merci d'être là. Karine rajoute ici, merci beaucoup Vincent, je viens de commander ton livre. Je tiens à préciser que je n'ai jamais acheté aucun livre sur la vente. Ça aussi, c'est un magnifique commentaire, Karine. J'adore. Ça sera dans la poste demain, sois-en certaine. Regarde,
tu m'en redonneras des nouvelles, mais j'ai toujours dit, moi, les gens que j'aime le plus aider, c'est ceux qui me disent, moi, Vincent, la vente, j'haïs ça. Donc, à quelque part, c'est un peu ce que j'entends à travers ce que tu dis là. Donc, merci infiniment de ta confiance et de ton intérêt, Karine. Bien, tu vois, ça va dans le sens de ce que je disais. Moi, quand j'ai fait la lecture, ça a fait comme, ben voyons donc, on dirait que là, j'ai pas une formule qui vient me dire, là, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, puis... En plus, ben là, moi, j'aime ça réfléchir. Puis j'aime ça faire des choses en pensant, puis en ayant comme une vision, en me permettant d'aller plus en profondeur pour cibler, qu'est-ce que ça peut bien, tu sais, m'inspirer, tout ça. Puis je te dis, c'est quasiment comme, bon, peut-être le mot va être un peu fort, là, mais pas une thérapie, là, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection. Oui, là-dessus, je l'assume totalement. J'ai même des gens qui m'ont dit, moi, en lisant ça, j'ai réalisé que personnellement, j'avais des choses à améliorer dans ma vie. Mais ce n'est pas un livre de développement d'affaires. On s'entend, malgré qu'il y a un lien. Encore une fois, je vous parlais d'image, de personnalité, de ce qu'on est, de ce qu'on... Moi-même, derrière chaque entrepreneur, il y a un humain et on doit travailler sur l'humain. Et moi, le développement personnel a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le choix de teinter ce que je dis. Ça n'a pas le choix de teinter ce que je fais. Mais à la base, on n'est pas dans le développement personnel. On est vraiment dans une approche structurée au niveau de la vente, mais qui n'est pas une recette. Donc, c'est ça. Puis tu nous donnes des bons exercices concrets aussi pour... Et je dis toujours la vente, mais tu sais, on va toucher à travers ce livre-là un peu de marketing, un peu d'expérience client, un peu de gestion. Donc, il y a quand même un amalgame, mais qui fait que l'objectif est de faire en sorte d'avoir des meilleures ventes, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir un discours qui est beaucoup plus engageant auprès de notre client. Il y a Christine ici qui dit « J'adore ce que tu fais, merci ». Christine, là, qui est une graphiste très, très à l'écoute. Il y a Suzanne ici qui nous dit « Très intéressant, Vincent, une année de pandémie, c'était un moment pour se pencher sur son carré de sable. » Et que c'est bien dit. J'adore. J'aime tellement, énormément. Et je vais être très honnête avec vous. Pour moi, l'année de la pandémie qu'on vient de terminer a été une année où j'ai été énormément sollicitée de tous bords, tous côtés. Parce qu'effectivement, les gens avaient besoin de retravailler leur carré de sable ou tout simplement défaire celui qu'il y avait pour en faire un autre. Donc, ça aussi, ça a été des choses sur lesquelles on a travaillé beaucoup. Si, parce que là, je vois le temps qui passe, si un entrepreneur se dirige vers toi puis qu'il te dit « Vincent, je ne sais pas c'est quoi mon client cible, mais je sais que moi, j'ai le goût de faire telle affaire. » Est-ce que c'est pour toi une vision trop étroite ou tu parce que tu sais tantôt tu as dit faut pas que tu sois trop en amour avec ton produit. Quelque part des fois je pense que la ligne elle peut être mince. La ligne est très mince, mais ce qu'on va faire si quelqu'un vient me dire ben moi j'ai une super de bonne idée, j'ai ça, c'est ça que j'ai envie de faire, ben on va travailler à l'inverse, on va dire OK, mais qui a besoin de ça? Et on va aller travailler par la suite pour dire OK, qui tu penses qui a besoin de ça? Pourquoi tu penses que ce produit-là est bon? Et là, on va aller tourner le discours. On va aller collaborer ensemble. Tu sais, souvent, ce volet-là, je le fais en coaching individuel. Et on va aller travailler, dire, OK, c'est qui ton client cible? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller se questionner par rapport à ça. Même si c'est une nouvelle business et qu'on se dit, ben, tu sais, j'en ai pas de client cible, j'ai pas de client, fait que je peux pas déterminer une clientèle cible. Non, c'est ça l'erreur. Moi, c'est ce que j'aurais aimé savoir au début quand je me suis lancé en affaires. C'est au lieu d'essayer de s'adresser à tout le monde, est-ce que tu peux travailler sur un segment, c'est-à-dire sur une clientèle cible? Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas déborder par la suite. Ça ne veut pas dire que si tu t'adresses à une clientèle, ton produit ou service, tu ne pourras pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'on peut savoir à qui l'on parle? Est-ce qu'on parle à monsieur ou on parle à madame? Est-ce qu'on parle à madame et monsieur? Encore une fois, il y a une adaptation qu'on doit faire à ce niveau-là. Donc, on travaille dans ce sens-là et on va aller bâtir autour de cette offre-là. Et ça se peut que l'offre qui soit présente, bien, à ce moment-là, on vienne la moduler ou la retravailler pour qu'elle corresponde davantage en fin de compte, au créneau auquel vous voulez vous adresser. Je vous rappelle que si vous voulez être éligible pour gagner le livre de Vincent,
je vous invite à partager. Et à la fin du mois, ben, je fais les tirages de toutes les émissions précédentes. J'aimerais ça te poser une question, puis là, je te dis que c'est un peu personnel, là. Correct. Tu parles de l'infolettre. Mm-hmm. Moi, je trouve ça, il me semble qu'on est déjà débordé, qu'on en a tellement déjà beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une obligation de nos jours? Parce qu'on me dit que c'est ça qui va aller chercher le plus les gens. Fait que là, il y a le Facebook, il y a le LinkedIn, il y a Instagram, l'info. Tabarnouche, à un moment donné, on ne sait plus où se garocher. Première chose, il n'y a aucune obligation dans rien. OK. Okay? Si on reparle du client, il est où votre client? On va partir de là. Votre client, est-ce qu'il est sur Facebook ou il est sur LinkedIn? À qui vous voulez parler? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'infolettre. Oui, c'est vrai, on reçoit beaucoup de courriels. Ça reste que, et encore dernièrement, l'association Direct Marketing, qui est une association internationale, si ma mémoire est bonne, a mis au jour une statistique qui dit que l'infolettre a un retour sur investissement de 4 400. Je ne me suis pas trompé de chiffre, là. 4 400. Mais oui, d'un coup, j'ai fait comme... j'ai dit bien entendu. Je vais juste vous dire une chose. C'est vrai, et moi, je suis le premier. Il y a un paquet d'infolettes que je reçois que je ne lis pas. Mais je suis abonné, puis je ne me désabonne pas nécessairement, parce qu'à quelque part, des fois, j'y vois encore de la valeur. Mais qu'est-ce que ça fait, une infolettre? Encore une fois, là, envoyer une infolettre 4 par jour, là, oubliez ça, là. Normalement, le meilleur retour sur investissement d'une infolettre, c'est aux 2 semaines. Normalement, selon les statistiques. Okay, c'est pas si intense, là. C'est okay. Ça, c'est aux 2 semaines. Et qu'est-ce que ça fait une infolettre? La personne qui reçoit votre infolettre, qu'elle le lise ou qu'elle ne le lise pas, elle la voit. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une image, on revient encore à l'image, ça crée une image dans la tête de votre client, ça crée une empreinte. Ce qu'il faut faire, c'est rester dans l'environnement de notre client, à son esprit, pour s'assurer qu'il pense à nous quand il aura besoin de nous. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est partager avec lui de la valeur ajoutée à travers l'infolettre. Mais il faut juste comprendre que ça demande du temps, ça demande de l'investissement et il faut être capable de, si vous faites juste une infolettre qui fait la promotion de vos produits ou services, faites-en pas. Ça sert à rien. D'accord? Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous essayez juste de pousser dans la gorge de quelqu'un un produit ou un service qui peut-être n'a vraiment pas de besoin au moment où on se parle. Donc, il faut être capable d'équilibrer le tout. Okay? Il faut être capable d'équilibrer le tout et de voir de quelle façon on peut le faire. Moi, dernièrement, j'ai réduit mon infolettre parce que j'ai mis en place davantage un podcast et ma chaîne YouTube. C'est là-dessus que j'ai plus travaillé. Par contre, je constate que dernièrement, avec la pandémie, comme tout le monde s'est dirigé vers les réseaux sociaux, tout le monde s'est dirigé vers le numérique, qu'est-ce qui se produit? Actuellement, la tendance forte, c'est le retour à l'infolettre pour devenir un outil relationnel. Parce qu'une infolettre, c'est ce que ça fait, un outil relationnel. Oui, c'est ça que j'étais en train de penser. Dans le fond, ça te permet d'être en relation avec la personne, même si elle ne l'ouvre pas. Exactement. Elle voit ton nom, elle voit ton... Et ça crée... Ta mission. Et c'est ce qui est plus important, le plus possible, c'est de créer une certaine périodicité. Si vous pensez que c'est mieux d'y aller une fois par mois, j'aime mieux que vous y alliez une fois par mois ou même une fois aux 2 mois que vous y alliez aux 2 semaines pendant 3 mois, puis après ça, vous arrêtez pendant 6 semaines. Comprenez? C'est la constance. C'est la constance qui est importante parce que c'est dans la constance que se crée l'engagement et c'est dans l'engagement que se crée la fidélisation. Et c'est dans la fidélisation que se crée quoi? Le succès dans votre business. Hey, c'est-tu pas extraordinaire, ça? Merci, Vincent. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais tu nommes les choses, là, puis on dirait qu'on a le goût de prendre le train avec toi. Merci infiniment. C'est gentil. J'aimerais ça aussi que tu puisses nous parler du groupe que tu as. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de rentrer dans ce beau groupe qui permet aux entrepreneurs de prendre le train.
Exactement. Ben, je vous dirais, j'ai deux groupes. Le premier groupe que j'ai, qui est mon groupe Facebook, qui est Propulser vos affaires, que vous pouvez venir me rejoindre sur ce groupe-là sans aucun problème. D'ailleurs, Sophie, tu y es. Oui. Je partage du contenu, j'essaie de garder le tout actif. Dernièrement aussi, je suis actif sur ma page pro, Vincent Fournier, optimisateur de performance. Donc, je partage quand même là beaucoup de contenu dans les deux, tout à fait gratuitement. Donc, vous pouvez venir là. Si vous avez le goût d'aller un petit peu plus vite, ouais, un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus avoir accès à moi en individuel, ben le groupe que j'ai lancé dernièrement, c'est le Clan Propulsion. Le Clan Propulsion, c'est quoi? C'est un espace membre qui vous permet d'avoir accès à des guides, des outils, des exercices, des documents, des vidéos, des audios. Donc, dans un espace membre que vous suivez à votre convenance, et moi, je libère du contenu à l'occasion, de façon sporadique. Mais surtout, avec cet espace membre-là, on a une rencontre à tous les mois ensemble, qui est une rencontre collective, tout le monde ensemble, où je viens vous partager un peu de l'enseignement. Donc, c'est vraiment une séance d'accompagnement, de coaching et de formation. Et à ce moment-là, je vous donne des défis, je vous donne des challenges. Et tout ça, les gens qui sont dans le Clan Propulsion, ben, éventuellement, ben, auront des avantages. Éventuellement, il y aura peut-être des invités particuliers. Donc, ce clan-là, je l'ai vraiment bâti pour aider le plus grand nombre possible de gens. C'est la raison pour laquelle j'ai tarifer le tout à un maigre 35 $ par mois pour avoir accès à tout ça. Ce que j'aime dans ça aussi, c'est que il y a ce qu'il faut pour se propulser, mais en même temps, je trouve que tu laisses aussi de la place à la responsabilisation, à l'autonomie. Fait qu'on dirait que tu as vraiment la boussole parfaite pour pouvoir te propulser puis devenir responsable de ton entreprise. Ben, c'est gentil que tu me dises ça parce que c'est définitivement exactement ce que moi je dis à mes clients. C'est-à-dire, vous devez vous approprier votre propre succès. Moi, je peux vous donner des outils, je peux vous donner des idées, je peux vous donner des stratégies, je peux vous donner des conseils. Mais si vous faites rien avec, ça donnerait rien. Donc, faut prendre le temps de se responsabiliser. Vaut mieux faire une action puis la regretter que de dire « j'aurais donc dû le faire ». Tellement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes à un moment donné qui disent « Hey, tabarouette, j'aurais donc dû faire ça avant. » Ouais, ben, il est trop tard. Le bateau est peut-être passé. Donc, tu sais, le bateau, c'est le train qu'on dit qui est peut-être passé. Le bateau peut être passé aussi. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a une responsabilisation. Donc, on a un véhicule pour avancer. Exact. Et oui, il y a une responsabilisation. Et moi, ce que je veux, c'est animer ceci, vous donner ça et faire en sorte d'être là pour vous. Dans le Clan Propulsion, ce que je dis, c'est que moi, à la base, les moments de séance, oui, je peux avoir un planning, mais le planning, c'est vous qui allez me le donner en fonction de vos besoins, en fonction de vos enjeux, en fonction de vos défis. Et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Et toutes les séances sont enregistrées et sont déposées sur l'espace membre. Donc, si vous ne pouvez pas être là, ils sont là. Si déjà vous arrivez la semaine prochaine, il y a déjà 3 séances de fait. Vous allez avoir accès à ces 3 séances-là. Donc, c'est une invitation. Si ça vous tente de venir nous rejoindre, on est déjà une bonne quinzaine, vingtaine. Là, j'ai plus le chiffre exact de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs qui se voyons à tous les mois. Ça, c'est pour le Clan Propulsion. Le Clan Propulsion. Si tu me permets, je voudrais aller lire ici ce que dit François. C'est très vrai, je consulte beaucoup plus ce qui entre dans mon courriel personnellement que je clique sur une publicité dans Facebook pour la simple raison que j'ai choisi ce que je recevais par intérêt. Donc, ça revient, merci François, ça revient à ce que je disais, la relation est beaucoup plus solide par infolettre qu'elle l'est par Facebook et surtout une publicité Facebook. Parce que, et comprenez-moi bien, là, pour moi, une publicité Facebook, ça a une pertinence. Moi-même, je travaille avec des publicités Facebook. Je vous dis pas que c'est pas bon, c'est pas ce que je vous dis, mais je vous dis juste que dernièrement, il y a plusieurs personnes qui se sont retournées vers la publicité Facebook et la relation est plus large. Ça nous permet d'attirer des gens qui peuvent par la suite venir dans notre infolettre. C'est juste de travailler à bâtir ce que moi j'appelle notre univers. Hein, c'est de bâtir notre univers attractif autour de notre client cible pour voir comment on va faire pour bien le rejoindre et surtout bien communiquer avec lui. Merci François pour ton commentaire. On entend, on lit entre les lignes l'analyste d'affaires qui fait ses choix. Merci beaucoup. Il y a ici, un petit peu,
Christine qui dit, tellement important aussi, c'est nous qui avons le choix de réussir ou non. Christine, je peux juste te dire oui. C'est ça. C'est à nous de réussir, tu sais, de dire, ben, ça marche pas, là. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la maladie du staccose, là, Ah oui, est moi j'appelle répandue. ça la maladie mexicaine. C'est à Pourquoi? cause. Ah! Il y a comme une petite Mais, sonorité tu sais, à cause de ci, c'est à cause de ça. J'ai pas fait ça à cause de ci, puis j'ai pas. À un moment donné, tu sais, c'est ça. On peut travailler à aller un petit peu plus loin. C'est un beau message ici. On va terminer l'émission justement en lisant ces beaux messages-là. Bravo Vincent, donne-nous des nouvelles de ton rôle de conférencier. J'en ai entendu parler dernièrement. T'as-tu un petit mot à dire là-dessus? Ben oui, je peux juste vous dire que la dernière année a été autant formation et conférences du virtuel. Vous le savez, on est rendu en virtuel. J'ai dernièrement aussi, c'est probablement ce que Suzanne veut dire, elle a vu passer, j'ai été certifié comme présentateur virtuel, donc comme conférencier virtuel. C'est-à-dire que cette certification-là a été mise par une entreprise américaine qui s'assure de l'efficacité et en fin de compte, de tous les aspects technique et de la livraison du message. Donc, pour moi, c'est une certification qui est intéressante à avoir. Et ben voilà, je fais partie depuis maintenant 3 ans de CAPS Canada, donc qui est finalement l'Association des conférenciers professionnels du Canada. Et je suis maintenant aussi sur le conseil d'administration du chapitre du Québec. Donc, Bravo. ça amène à travailler sur un rayonnement un tout petit peu plus national et je dirais même aussi international à certains égards. Ça fait un plus grand carré de sable, Oui, carré de sable, c'est élargi de ce côté-là. Par contre, c'est sûr que c'est on doit s'adapter à la réalité. Je pense que la conférence présentielle n'est pas prête à revenir. Donc, on travaille sur la conférence virtuelle qui se fait aussi quand même très, très bien et qui donne des effets intéressants. Et même, j'ai des clients qui m'ont dit, moi, depuis que j'ai goûté à ça, je suis pas sûr que je vais refaire la conférence en présentiel. Donc, encore une fois, tous les modèles sont possibles maintenant. Ouais, puis quand on connaît ses compétences, ses forces, puis qu'on sait à qui on s'adresse, ben c'est toujours plus facile de s'adapter. Exactement. Très bon point. Tu vois, Francine, j'ai pas pesé sur le bon. Francine Turgeon, une dame qui a beaucoup d'expérience, elle nous dit une approche globale, c'est précieux. Francine, moi j'ai toujours dit d'avoir une vision globale, c'est ce qui nous permet de déterminer les meilleures stratégies à prendre pour atteindre notre objectif. C'est le principe de l'arbre et de la forêt. Donc. Là, Nassima, j'aime les approches structurées. C'est ce qui m'attire dans ton approche aussi. Merci, Nassima. Oui, il y a une structure, il y a un encadrement, mais il y a suffisamment d'espace pour mettre votre propre couleur. Et je le répète, c'est pas une recette, hein, parce que vous le savez, faire une recette, c'est bien beau. On a tous déjà pris un livre de recettes, fait une recette à l'intérieur, regardé l'image, puis dit, hey, wow, c'est appétissant, c'est de l'air extraordinaire. Et le jour où on a mis l'assiette sur la table, puis qu'on a regardé l'image, on a fait, oh, palais, c'est pas aussi appétissant, hein? Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Donc, à quelque part, on n'a pas tous les mêmes talents en cuisine et c'est la même chose au niveau des affaires. On n'a pas tous les mêmes talents au même endroit. Donc, il faut prendre le temps de faire en sorte que, oui, on a un guide, oui, on a une certaine recette, mais il faut être capable de mettre notre propre couleur dans cette approche structurée-là pour faire en sorte que notre business nous ressemble, qu'elle fasse du sens, parce que, en faisant du sens, c'est là qu'on développe le sens des affaires. Ah, oh, que c'est bien dit. Alors, on va terminer l'entrevue en présentant ton livre. Alors, ça a été un grand plaisir de te recevoir, vraiment, de se parler, hein, de manière spontanée. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Merci de t'être prêté au jeu, de faire une entrevue humaine, sympathique, chaleureuse. Je pense que beaucoup de gens sont très contents de ta visite ce soir. Alors, merci infiniment et franc succès pour ton livre et l'accompagnement que tu offres avec une grande générosité. Merci de cette merveilleuse entrevue. Merci de cette invitation-là. Merci de l'opportunité. C'était vraiment extraordinaire d'échanger avec vous. Merci tout le monde de vos excellents commentaires. Ça me touche profondément. C'est une grosse, grosse partie de ma paye, pour être très honnête avec vous. Donc, merci infiniment. Je vous invite à venir me voir, à m'écrire, à faire ce qui vous tente finalement. Ça sera un grand plaisir d'échanger avec vous. Puis je vous dis ceci.
Prenez le temps de penser à vous afin de faire en sorte de réaliser votre succès. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je t'invite d'ailleurs à aller voir les messages parce que oui, je ne les ai pas nécessairement tous passés. Donc, tu es le bienvenu pour aller y répondre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On est deux à jouer ces pitons, là. Je t'ai rendu tout seul. On va y arriver. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Si vous me permettez, j'aimerais ça peut-être rajouter ce beau message. Un grand merci, j'ai adoré et très enrichissant. Très contente de t'avoir connu. Merci à vous et bonne soirée. C'est le fun parce que je vois des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat et qui ont cette chance-là de rencontrer des entrepreneurs humains. Et ça sert à ça, les Barnick Bionic. Un grand merci à vous trois, Sophie, Vincent et François. Magnifique et riche émission, toujours passionnante. Alors, ce que je veux avec cette émission-ci, c'est mettre en lumière l'humain qu'il y a dans l'entrepreneur que l'on voit. C'est une bonne façon, je trouve, de rentrer en contact avec qui vous êtes, avec votre énergie. C'est une bonne façon, je trouve, aussi de permettre aux gens de s'identifier à vous ou pas. Donc, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez envie de faire une expérience au Barnick Bionic. Je pense que ça peut être une très bonne façon d'explorer le marketing autrement, si on veut. Et je pense que ce que nous nommait Vincent dans la capacité de créer des relations, c'est super important et ça part certainement d'être capable de se présenter avec sa spontanéité également. Être authentique, quand on devient entrepreneur, c'est certainement pas pour se placer dans une boîte et être pareil comme les autres. Alors, profitez de cet espace-là et de cette vitrine que sont les Barnick Bionic pour vous présenter dans votre couleur, pour reprendre les mots de Vincent Fournier. Bonne soirée tout le monde et au plaisir de vous retrouver sous peu. Merci de participer, de partager et je vous redonne des nouvelles pour qui va pouvoir gagner. On se donne rendez-vous à notre prochaine émission, jeudi prochain, 20h15. Merci et bonne soirée.